Bonjour à tous, c'est Cyril et on se retrouve aujourd'hui sur Valheim, mais aujourd'hui, à poil, on fait du changement. C'est parti!
On se retrouve dans la partie quelques temps après le tour de l'île qu'on a fait. Je vais vous partager donc ce que nous avons découvert. Donc on a fait un tour complet, on est passé par en bas, on a trouvé une deuxième zone de marécage, bien évidemment. Et on avait déjà repéré le repère du Mazdos. Donc là, clairement, on l'a vu. Et j'ai pu noter au moins trois cryptes qui étaient à côté. Et c'est ces trois cryptes qui vont nous aider, je vais vous expliquer pourquoi. On a aussi parcouru, bon, on a croisé Odin dans la nuit sombre et tout ça. On a un fort ici qui était particulier, il semblait être beaucoup plus large que d'habitude. Donc un jour j'irai faire un petit tour là-bas pour découvrir un peu ce qui s'y passe. Mais pour l'instant, ce qui va être notre préoccupation première, c'est d'aller chercher du fer ici. On avait chopé à peu près tout le fer qu'il y avait là, je pense qu'on n'a rien raté. Et que ces trois cryptes là vont être très importantes pour la suite. Je vous explique pourquoi, et c'est pour ça que je suis à poil. Une des raisons, c'est qu'en fait, j'ai préparé ici quelques petits matos pour essayer de se faire un petit peu d'équipement. On va essayer de faire ça dans l'ordre, hein. Ça va changer radicalement, ou presque. Là-dedans, on a la masse en fer qu'on va prendre. Première chose qu'on va faire, parce qu'on veut changer d'équipement, on prend la masse. On prend ensuite l'arc, parce que l'arc, c'est génial. On aura l'évolution de l'arc qu'on avait actuellement, donc on le fait sans se poser de questions. L'autre équipement qui va être donc nécessaire, on va prendre le bouclier. Le bouclier, on va choisir le style, j'aime bien le bleu, on va se mettre en bleu. Et ça s'harmonisera bien avec la cape qu'on a encore et qu'on ne peut pas encore faire évoluer. Donc on prend la cape. Et c'est là que tout va changer. On change radicalement d'équipement. Je vais pouvoir poser déjà le début d'équipement qu'on a ici. Vous allez me dire, mais il est bête, il a acheté des trucs, il est toujours à poil. Je suis d'accord. Pour l'instant, on ne s'énerve pas. J'ai bientôt le reste qui va être pris. Est-ce que c'est là ? Non, ça c'est pour autre chose. Je crois que c'est celui-là qui fait que je prenne avec ça. Oui. Alors j'ai mis aussi des cœurs de Stirling et tout à côté, histoire de préparer le reste, mais pour l'instant on n'en a pas besoin. Donc maintenant on va d'abord faire ça. L'armure en côte de fer, en écaille de fer. Et ça, non. Ça j'ai oublié d'en prendre 10. Ah oui, parce que j'ai tout fermé, hein. J'ai tout fait. J'ai plus aucune ferraille qui traîne, il ne reste que du fer. Donc on a fait, là on va faire les jambières. Très bien. Voilà. On va se mettre un petit coin soleil pour avoir une meilleure luminosité. Et on va s'habiller et découvrir un petit peu l'équipement qu'on aura. Donc on prend déjà ça. Waouh. Ça c'est bon ça. On s'équipe du bouclier. Alors, la masse, c'est une masse à deux mains, donc on est fichu. L'arc en soi. Alors, l'arc se veut un peu plus performant que celui qu'on avait avec le niveau 3, donc bon, ça va être que du mieux. Épée plus machin, ça fait un petit peu, mais c'est vrai que l'épée est en bronze pour l'instant. Mais ça donne un petit peu. On a oublié la cape. Avec le bleu de la cape, ça doit être quand même pas mal. Voilà. Je trouve que ça s'harmonise. Bon, la cape est pas assez belle, mais bon, le bleu, ça le fait. Franchement, c'est stylé. Mais c'est pas fini. Parce qu'en fait, pour aller ici et charger les éléments des cryptes, ben, on va pas y aller avec un portail, parce que en fait, le portail va nous embêter, on va pas pouvoir faire des allers-retours. On va faire un bateau. On a tout ce qu'il faut pour changer ce petit bateau et faire le grand bateau. Et c'est sur ça qu'on va travailler maintenant. Alors, je pense que j'ai noté, je regarde vite fait un petit fichier Excel, la masse au bouclier, l'armure, la jambière. Ouais. Il nous reste encore du fer, bien évidemment. Alors, en fait, j'ai calculé, hein. Il nous faut à peu près, pour monter tout au dernier niveau, alors, l'arc, l'épée, la masse, la hache, même si la hache pour l'instant on n'en a pas besoin, le bouclier, l'armure, la jambière et le casque, il nous faut 530 plaques de fer pour tout monter au niveau 4, donc au niveau max. On n'en a pas autant, d'où la nécessité de faire des nouvelles cryptes.
Je garde la loupiote sur la tête. Hein. J'ai pris l'habitude. On est assez résistant malgré tout. On va être tranquille là-dessus. On va peut-être regarder combien fait le niveau suivant pour les jambières et tout ça. Il faut... Non, c'est pas là. Il faut 5-5. Donc, on va prendre beaucoup de fer. Hop là. Et on va faire monter directement au niveau suivant pour être encore plus blindé et tranquille. Voilà. Donc, on monte au niveau 2. C'est au moins ça. On va regarder qu'est-ce qui est nécessaire pour le niveau suivant. Il faut juste qu'on monte l'atelier. Mais on va plutôt faire le bouclier en attendant. Alors, on est de nouveau à poil. Naturellement, j'ai ramené aussi du bois noble pour faire le travail. Hein. J'ai préparé tout ça. Hein. J'ai préparé du bois. Je suis allé acheter des choses chez le marchand. J'ai essayé de faire ça bien. Voilà, comme ça, on est un peu plus protégé. On va plus avoir d'armes à distance comme on avait avec, la sorte de lance. Mais on a un bouclier qui se veut, je pense, meilleur. On est là-dessus, on peut s'habiller en parallèle. Voilà. Alors, j'ai commencé à faire aussi des soupes de navets. J'en ai de nouveau de plantées. Mais ça va devenir notre nouvel aliment principal. Et avec soit le poisson qui nous donne de la vie, soit avec des carottes où on a l'endurance, on est plutôt bien loti. Franchement, on n'a pas grand-chose à se reprocher là-dessus. On va être bien équipé, la tête aux pieds. Il n'y a aucun souci là-dessus. L'arc y est, ça on l'a. Je reprends la vidéo, je crois que j'ai eu un petit souci. J'ai mis la vidéo en pause et donc j'ai fait pas mal de choses sans voir. Je reprends le fil dès à présent. Bon, vous n'avez pas raté grand-chose de ce que j'ai pu faire. Juste le principal, le maxi bateau, le longship. Donc le voici, le voilà. Qu'on pourra personnaliser parce que en fait dans tous les trous ici on y peut y mettre des boucliers, mais ça on verra plus tard. Donc oui, je vous disais que, du moins je me disais lorsque l'enregistrement était en pause, que j'avais fait ce bateau là. Normalement on peut le piloter, hein. Je sais plus, voilà, on va le piloter tranquillement. Il va nous permettre d'avoir ça, un storage énorme. Donc avec lui on va être vraiment tranquille. On va se poser, attendez, hop, on va se poser ici même. Donc j'espère que c'est un peu de prairie ou dans la proximité. On va faire une forge et un établi et on fera des allers-retours jusqu'au storage du bateau pour le remplir. Le but de la manœuvre étant que on n'ait pas à faire des allers-retours à pied. Ça sera en bateau. Est-ce que ça sera mieux? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que ça nous épargnera de faire une nouvelle base là-bas complète. Voilà. Donc on le laisse ici, on va déplacer celui-là après, on va s'équiper des matières nécessaires pour faire une forge au minimum. Donc on pose ça ici pour l'instant. Je crois que là j'ai ce qu'il faut pour la forge, on va bien regarder ce qui nous est nécessaire. Non, ça on va les mettre au bon endroit, à savoir ici, ça on va le mettre là. Que nous faut-il pour une forge? Bien évidemment, une forge, il nous faut des pierres, du charbon et des plaques de cuivre. Très bien. Donc, plaques de cuivre, il en faut 6. On en a. Du charbon, on en a. Normalement, on a tout. On prend ça. On prend ça. On va en prendre à peine une... On va prendre pile poil le nombre. Hein. Réellement, il ne faut pas qu'on en ait plus. C'est des choses qui vont un peu être gênantes. Donc voilà, tac, on en prend que 2 bien sûr. Voilà, il fallait des cailloux. Des cailloux. Les cailloux, ils sont où les cailloux? Les cailloux, il en fallait 4. Je sais plus, je dois avoir des cailloux ici ou je les ai ramenés de l'autre côté. Je les ai ramenés de l'autre côté. Bon, on va retrouver des cailloux. Je pense à proximité, c'est pas... Je pense que ça va pas être la partie la plus compliquée. Voilà, on en a 3, on en a 6, c'est très bien. On réparera l'équipement, bien évidemment. On va pouvoir mettre tout ça si on le souhaite dans le bateau. Il faut bien évidemment aussi que je fasse un établi, donc il nous faut à peu près une vingtaine de bois. Normal, je sais même pas si j'ai gardé du bois normal ici.
Non. Bah, donc, je dois en avoir peut-être ici avec lui. Voilà. On va prendre 20, histoire d'être large. Et on va pouvoir partir directement tester notre nouveau bateau. On fera l'équipement nécessaire. De toute façon, on chopera, je pense, du bois à droite, à gauche, là-bas. On est équipé comme il faut ici. Avec tout ça, je pense qu'on est bien. On va juste réparer ce qui est nécessaire ici. Je vais prendre la deuxième pioche Zokazu. Parce qu'en termes d'équipement, la pioche peut être intéressante. Et on va pouvoir repartir. Donc, on va bien sûr pas appeler boss immédiatement. Ah si, elle est là. Voilà, je le cherchais désespérément. Donc là, on est d'accord que ça, je peux. Et ça, je peux. Très bien. Donc, on ferme bien sûr la maison parce qu'on part en expédition. Je bougerai lui, je pense, en off. Là, on le ramènera le plus proche possible et on pourra partir tranquillement. Non, même, je pense qu'on va plutôt le bouger maintenant parce que il va plutôt nous gêner. Tant qu'on a le vent dans notre sens, on va le prendre. Voilà. Le but, on part ici. Alors, est-ce que si on part comme ça, il y arrive? Je pense qu'il va y arriver. Le but, hein, vraiment, c'est de mettre l'autre bateau à ce niveau-là. Alors, la manœuvre va être une délicatesse. On en reparlera. Voilà. Donc là, il gênera moins. On verra si le bateau, on en a encore besoin ou pas, ou si on le ramène de l'autre côté. Mais en tout cas, on peut venir là. On aura donc tout ce storage-là qui va être bien. Je vais peut-être prendre quand même un peu de nourriture supplémentaire, vu qu'on a la place, afin d'être le plus à l'aise possible. Parce que là on n'est peut-être pas prêt de revenir ici. Voilà, là on avait un navet supplémentaire. Non. Peut-être que j'en profiterai aussi pour faire en sorte que celui-là aille plus loin. Voilà, là on triche un peu pour y arriver. Voilà. On va mettre ça dedans pour l'instant, parce qu'on est équipé. On prend le bateau et j'imagine qu'il se manœuvre exactement de la même manière. Il doit être, j'imagine, plus rapide, plus résistant, une petite sauvegarde bien évidemment, et tout ce qui s'ensuit. Donc on devrait être à l'aise dans le pilotage, dans le maniement. Donc on va repasser, le voyage peut être long, je verrai le temps en même temps que la vidéo et peut-être que je vous le ferai en accéléré parce que le trajet on connaît déjà. Mais vu qu'on va inaugurer ce superbe bateau, je me dis que ça reste intéressant de le faire ensemble. Sauf que faut pas se planter. Il est tellement rapide que... voilà. Bon, il faut être doué. J'ai pas le pied marin dans la réalité, dans le jeu. Heureusement que le maniement est facile. Allez. Voilà, là on va pouvoir avancer concrètement. Non, on va plutôt... Non, c'est bien là, c'est bien là, c'est bien là. C'est passer l'arrière là-bas. Oh là 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 là. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Non, tu vas pas te... Tu vas pas échouer. Aïe aïe aïe, c'est pas très très... Je suis pas très fut-fut là sur le coup. Hein. Non. Donc tu vas partir là-bas. T'es bloqué? Bon. Ah, c'est pas grand-chose. Oh, en plus avec le dingue qui vient s'en mêler. Tu vas pas m'embêter très très longtemps, j'espère. Si tu abîmes le bateau, je te mitraille. Hein. Tu t'es noyé? Ah non, j'ai eu peur. On va se le donner un peu plus de marge. Voilà. Ah, c'est quand même un... C'est pas du tout la même taille de bateau quand même. Hein. Voilà. Mais quand il part. Hein. Bon, heureusement qu'il y a la marée aussi parce qu'on a été tranquille. Donc là, je pense qu'on est un peu plus à l'aise aussi pour aller... dans l'océan et y rester. Donc là, par rapport au trajet qu'on va faire, on peut aisément s'éloigner des côtes. Je l'imagine fortement. Ça se trouve, avec le précédent, on pouvait déjà.
On l'a juste pas essayé. On va bien voir. Il avance plutôt vite. Tout ce marécage là, donc on l'avait terminé. Et nous partâmes tranquillement vers le deuxième spot. Donc le deuxième spot, j'ai vu les cryptes ici, j'ai vu lui ici, donc je pense qu'on va faire un petit pied-à-terre ici. Tranquillement, donc le assez proche là. En espérant que ce soit pas de la forêt noire pour être vraiment le plus à l'aise possible. Et une fois que c'est fait, de toute façon on va faire un petit camp de fortune. Juste mettre des barrières pour que le bateau soit le plus à l'aise. Juste un petit abri pour qu'on puisse mettre l'atelier et la forge à l'abri. Et logiquement, ça devrait le faire. Le storage qui est dedans nous suffira largement. Ce qui est certain, c'est que j'ai peut-être pas pris assez de nourriture pour tenir beaucoup d'épisodes. Je pense principalement qu'on n'aura pas trop de difficultés si les cryptes sont... Alors, voilà. La seule peur que j'ai, c'est que ce sont des cryptes qui sont à côté du boss. Alors, est-ce qu'elles peuvent avoir un niveau supplémentaire ou pas de difficulté? Je l'ignore. En tout cas, bon, il avance tranquillement. Pas trop pénalisé par le vent, semble-t-il, ici. On va s'échapper un petit peu. Là, il y avait un caillou, semble-t-il. Oui, donc il y a des terres aussi en face qu'on avait... J'avais fait esprit d'y aller avec l'ancien bateau pour découvrir cette forêt là-bas au cas où si un jour on doit y retourner. Ou du moins on doit y aller. Hein. Je sais que j'ai une île supplémentaire là. Et le monde commence à prendre un tout petit peu forme. Hein. On a peut-être découvert même pas 20% j'imagine. Mais c'est quand même 20%. Hein. C'est même peut-être beaucoup. Bon, on va pas faire le fil de l'histoire. Mais on a découvert un petit peu. Voici à proximité de la zone dans laquelle nous allons atterrir. Ou atterrir. Accoster. Hein, soyons un peu plus marins que cela. On tombe pile poil donc sur une zone de prairie. C'est très bien. Une zone plutôt sans arbres ici. On va quand même s'approcher des marécages pour voir comment c'est fait. Bon, on a quand même bon, des brutes ici, mais c'est tout à fait normal. On doit pouvoir avancer peut-être un tout petit peu pour rentrer peut-être dans la petite rivière qu'il y a entre les deux terres. Et on va voir comment c'est fait pour potentiellement spawner là-dessus. On est vraiment pas loin de notre habitation principale, hein. Secondaire, donc... On n'est pas obligé d'aller faire des allers-retours ou autre. J'ai bien envie de me mettre peut-être juste dans le coin ici. Parce que ça nous permet... non, on peut même se mettre de l'autre côté, de l'autre forêt. On va aller juste regarder comment c'est fait. Mais le but peut-être étant... ouais, c'est bien de la prairie. Plutôt de tourner dans l'autre sens, on va couper le truc. Oh là là, mais même pas un seul dégât causé. Oh oui, regardez en plus comment ça se fait. Ça veut bien. Alors le temps que je manœuvre, il va être plein jour, hein, donc on verra en détail comment ça va se passer. En fait, c'est pile poil ce qu'il faut. Une sorte de petite crique dans laquelle on va pouvoir enfoncer le bateau, ne pas être trop embêté, j'espère. Parce que nous sommes dans la prairie.
Voilà, bah, on va dire qu'il est posé. Très bien, ici. Alors, bien évidemment, la première chose qu'on va devoir se faire, c'est les nains gris qui vont traîner à proximité. Ah, j'ai juste positionné un petit point pour indiquer Longship. Non, je sais plus le nom du bateau, mais on va l'appeler comme ça pour l'instant. Un petit coup de... On va faire un petit peu de bois à proximité tant que nous y sommes. Ah, j'ai peur qu'il abîme mon bateau. Ouais, je préfère mieux qu'il m'abîme moi, mais... Ça m'aurait un petit peu énervé. Franchement, on fait pas beaucoup de place. Hein. Ah, ça, c'est moi qui tape dessus. Voilà. Ouais. On doit pouvoir placer peut-être l'établi. Ici. Et ça. Juste derrière. Comme ça, les deux sont posés. Alors, toi, tu vas déjà te prendre ça. Ah, il y a bien un effet repoussoir. Hein. Après, la seule grosse difficulté, c'est que l'arme, elle est... elle prend beaucoup de temps à se charger, donc il faut bien anticiper la venue de l'adversaire pour pouvoir lui taper dessus. Et surtout, faut avoir beaucoup de vie, sinon on risque de prendre cher. On va regarder s'il y a un peu de bois mort ici, histoire d'être tranquille. Sinon, on va devoir couper le bois nous-mêmes. Et moi, du bois vivant. Ouais, on a peut-être un peu déjà ce qu'il faut pour faire une petite clôture. Vraiment du rudimentaire, hein, c'est histoire juste de faire en sorte que l'adversaire, l'ennemi, les nains gris principalement, ne viennent pas trop nous casser la tête. Donc l'épée devient maintenant notre arme de prédilection, hein, bien évidemment. On va la manier systématiquement, tout le temps, ce qui va être un petit peu... Je vais pas dire gênant, mais il faudra bien qu'on fasse du combat à main nue à un moment donné, ou du moins à proximité, rapproché, avec donc notamment à cause de cette épée et notamment surtout de la masse. Hein. Donc on va tenter de s'exercer avec, si seulement on arrive à sauter par-dessus les barrières. Ouais, oh, il a une zone de... Ah ben, le problème, c'est que ça éjecte aussi les cadavres. Alors ça, c'est pas cool, parce que ça veut dire qu'il faut aller chercher loin pour les retrouver. Non, mais en soi, c'est pas mal. Elle est pas mal. Je pense qu'il faut vraiment faire... faut vraiment s'entraîner avec, parce que ça va pas se faire en 2 minutes, l'effet bénéfique du truc. Bon, nous sommes à combien? 6 morceaux de bois, on va être en manque. Clairement, on va être en manque. On peut peut-être mettre lui là. Mais le dernier, on va pas pouvoir. Voilà, on va commencer en plus sur une nouvelle journée. Qui débute enfin. Ouais, on n'a pas le choix. Hein. Un peu de forestier d'abord. Voilà. Non, je voudrais que la vie remonte. Merci. On fait juste ce qu'il faut pour essayer de bloquer ça. Ouais, j'ai l'impression qu'on va être embêté. Déjà, si on le met dans l'autre sens, ça serait mieux. Alors, c'est moche. On n'est pas là pour faire de l'artistique. Il est trop exposé, bien évidemment qu'il est trop exposé. Alors on va plutôt faire ce petit réajustement là.
officiellement. Il veut pas me le mettre en dessous, ça c'est un... C'est... Mince, j'y ai cru. Non, il veut pas le mettre en dessous, donc ça c'est nul. Ah, j'ai le bateau qui me gêne en plus en cadeau. Je suis pas sûr que ça va tenir longtemps. Hein. Mais c'est pas grave. On fait avec. Voilà, on a l'impression que ça tient. On va surtout donc protéger ici. Et protéger là. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Trop exposé encore. Ah, il va me casser les pieds celui-là. Il va me casser les pieds. Il nous faut des arbres supplémentaires. Bon, ça va nous permettre aussi d'explorer un peu plus la zone. On est très proche hein, quand même de des marécages, donc ça c'est très très bien. Sauf qu'on n'a pas d'arbres ici à notre dispo. Il y a quelques arbres morts ici, j'ai cru en voir un. Ouais. Avec 12, on devrait être pas mal. Je ramasse les champignons, hein. Pour la soupe de carottes, ça reste essentiel. Voilà. Oh, bizarre, je les ai même pas vus en y allant et en revenant. Ah, c'est normal, je suis parti plus loin. Ah, je trouve que la vie, que l'endurance là, elle est archi basse. Hein. On va galérer un tout petit peu au début. Alors l'épée permet de pas bouffer beaucoup de stamina à chaque attaque. Et c'est la masse qui va malgré tout être compliquée à gérer. Alors j'ai voulu faire la masse parce que officiellement le boss il est un peu plus vulnérable face à la masse que par rapport à la lance ou son équivalent, hein, je ne ressortirai pas le nom, ça reste assez compliqué à dire. Donc c'est pour cela que je pense qu'on va privilégier la masse, et après pour le boss d'après on regardera qu'est-ce qui se fait. Donc là, ce qui est bien, la forge, on est bien. Est-ce que lui, on est bien toujours exposé? Mais... On va pas faire de l'artistique ici, hein, je vous préviens. Ouais. Est-ce que ça peut suffire? Voilà. Bon, on a fait une petite protection qui vaut ce qui vaut. Hein. Ce qui vaut ce qu'elle vaut, c'est une protection. La seule chose que je vais faire quand même, c'est qu'on va essayer de faire le tour jusque là aussi. Comme ça, les nains gris viendront pas me détruire, j'espère, l'atelier. Après, on va remplir le storage du bateau de ce qu'il y a. Et on va pouvoir partir directement dans la zone qui nous intéresse. Voilà, pour l'instant on met ça, on jettera probablement les éléments qu'on n'a pas besoin. On a notre masse, on a tout. Le bateau, j'ai pas réparé, j'ai pas mis un petit coup de réparage. Voilà. Et on va pouvoir aller se balader un petit peu dans les marécages, nouvelle version. Donc on est beaucoup plus protégé, etc., etc. On devrait être un peu plus à l'aise. L'arc est toujours là. Alors, on prend pas ce qui traîne ici pour l'instant. On a du Nyx à proximité, c'est bien. Donc là, ça nous parle des marécages. En fait, ouais, si on gère super bien, oh, y a moyen qu'on fasse un carnage. Qu'on arrive même à voir les sangsues sans forcément aller dans l'eau. Oh non, mais ça va être génial en fait. En fait, j'ai l'impression qu'on peut s'abuser avec. Hein. Bon, la seule difficulté, c'est que oui, il faut s'enfoncer beaucoup.
Mais quel carnage! Quel carnage! Ah oui, il y a une crypte ici, génial! Une première à proximité. Donc ici, je pense qu'on va être garni en crypte. Hein. Alors je me mets juste ici. Alors je vérifie qu'il n'y a rien. Je vais la marquer. Voilà, il y a du monde dedans, mais le but, un peu de repérage de l'environnement. Hein. Le chardon, on n'en a pas besoin. Là-bas, il y a un spawn. Ici, il y a un spawn. Le squelette, il est loin encore, donc on est bien. Sauf que j'ai pas beaucoup de vie, mais c'est principalement lié au fait que j'ai mis des carottes. Je vais mettre de la viande, et la viande, je l'ai reposée comme un idiot. Alors, je pense qu'on va se faire les trucs de spawn. Je pense que ouais, il faut faire un switch d'armes, je pense. Ça serait le plus simple. Alors, on va juste se mettre là. Oh là 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 là, qu'on fasse pas l'idiot. Qu'on ne fasse pas l'idiot. Et qu'on se sente trop à l'aise. Voilà. Aïe 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 aïe. Ah ça c'est intéressant, c'est les navets. On en a beaucoup besoin des navets. Ok, on rigole plus, on met la vie au max. On laisse un petit peu l'endurance monter. Ah, mais... Ah. Ça, c'est Google qui s'allume. Toujours intéressant. Ok, bah, quelques difficultés déjà. Hein. Là, il y a un autre squelette derrière, mais c'est pas grave. Ouais, il y a moyen de faire du combat avec sans trop de difficulté. Voilà. J'ai l'impression que j'ai perdu la main, dis donc. Hein. Donc voilà. Hein. Les premiers combats. Voilà. On va peut-être pas faire, oui, de toute façon, les cryptes immédiatement. Donc, ce qui est bien, c'est que là, lui, voilà, on va pouvoir les avoir de cette manière-là. Alors qu'avant, on les faisait à distance. Ça va nous obliger à faire un peu plus d'esquive. Là, je me concentre un peu parce que j'ai fait beaucoup trop de boulettes depuis tout à l'heure là. Pareil, Ektir, je pense qu'il va être essentiel de l'activer. Voilà. Ah, ok, ils sont deux. Ok, je comprends pourquoi ça spawnait vite. Hein. Un deuxième ici, on s'écarte un petit peu. Voilà,
il est important de les, d'avoir les drogues avant qu'ils soient machinés, parce que à mon niveau, si on peut dire ça, ils sont déjà one-shotables, on va dire, du premier coup. Hein. Ah! Ils vont m'énerver, hein. Personne derrière, il y a personne derrière. Bon, je pense qu'on va vite se ranger dans la crypte avant qu'on soit empêté. Hein. Concentration. Ça dans ta tronche. Voilà, ah, ça bouffe énormément de stamina. Et il y a une autre crypte ici en cadeau. Excellent. Ça, on va marquer le coffre parce qu'on va pas récupérer forcément ce qu'il y a dedans ici. On va aller jusqu'ici. Pour marquer cette crypte-là. Donc là, je pense qu'on a trouvé... toutes les cryptes qu'on avait besoin pour faire le full équipement en fer qu'on a besoin. Là, on est au total, je pense, vers à peu près 5. Ouais, on a un peu de place. On a du squelette là-bas. Ah, la seule chose que j'ai pas gérée, ouais, c'est que j'ai pas ramené de silex, donc je devrais choper un peu de silex par terre pour me refaire quelques flèches. Je vais regarder ce fort là et après on devrait être un peu plus tranquille. Ouais, bon, c'est pas le fort le plus facile, je pense, qu'on va regarder là. Parce que tout est concentré dans je ne sais pas combien de centimètres de trucs là, de drogues. Ah, déjà, c'est bien ce que je pensais. Il me fallait de la nourriture. On va laisser un petit peu la nourriture monter. Donc en dessous, il y a... Oula, j'ai eu peur. Laissez-moi monter. Oh, il tout prend cher. Voilà. Ah, c'est radical, hein. C'est radical, mais c'est bien. Oh. Non, me dites pas qu'il va me casser les pieds, celui-là. Il va me casser les pieds juste pour y accéder, quoi. Donc on va aller juste ici. Je veux juste voir ce qu'il y a quand même dedans. Il y a des flèches en plus. On va mettre ça dans l'autre coffre. Si on a un coffre à proximité, c'est très bien. Alors, je me méfie aussi d'avoir... les sensuels, les blobs, on n'en a pas encore croisé, j'ai l'impression. Et j'ai peur le moment où on va en croiser. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin, ça, on n'a pas besoin. Ça, on peut en croiser d'autres. Le bois, jamais utile, mais bon, on le prend quand même. Ok. Je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode-là. On reprendra, je pense, pile poil au même endroit pour continuer l'exploration de ces marécages et potentiellement faire une première crypte.
mais on se voit que bah, ça a été chaud de s'y remettre, hein. Parce que les marécages d'avant, ben, on faisait des allers-retours faciles jusqu'à la crypte et on se croisait personne, mais là, beaucoup plus difficile, il y a du monde. En tout cas, l'équipement actuel, il est pas mal, on va pouvoir faire du bon niveau, il faut juste le lever un tout petit peu en niveau parce qu'il s'abîme très vite. Et ça, ça va être un embêtement fort. Donc potentiellement, je vais peut-être revenir, peut-être pas dans le prochain épisode, mais encore celui d'après, upgrader tout ça avec tout le fer qu'on aura, et on sera full équipé en fer et presque à fond. Et ça, ça sera génial. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation, pardon, et je vous dis à la prochaine. C'était Cyril. Ciao, bye bye.